Yo les gars, c'est parti, vlog numéro 3 les gars, quelques aventures de plus avec la team Zen, c'est parti. Réveil matinal les gars, 10 août, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, je vais emmener ma femme se faire sa manicure. Je vous montrerai le résultat après. Et ensuite, la journée d'anniversaire. On verra. Donc là les gars, ça y est, on va récupérer la femme avec ses ongles manicurés. On va voir le résultat ensemble. La voici qui court. La voici qui court, qui arrive. Avec ses ongles et ses orteils. Coucou. Regardez mes doigts de pied. Waouh. C'est très joli, hein. Fais voir. Bah, regarde. Waouh. Oh waouh. Oh waouh. Bon, mes doigts de pied sont pas très jolis, mais regardez. Oh waouh. On va maintenant boire un bubble tea. Là les gars, on a trouvé la famille de Parisiens là, de pigeons de Paris là, ils sont aussi immigrés au Portugal là. Regarde-moi ça là, ils sont tous venus de Paris là, ces pigeons là, visiter les cathédrales portugaises. Pour mon anniv, j'ai commencé à avoir des petits trucs extrêmement sympas, petit t-shirt Billabong, on est Al, donc Full Rotator TSS. Voilà la référence si vous voulez savoir comment il est. En M. Donc c'est ma tante qui me l'a envoyé. Super stylé. Fun. À toutes. On s'est rendu compte avec ma femme que on avait des bonnes vacances là pour l'instant. Un temps au top hein, pour des vacances. C'est un temps à aller à la plage. Un temps à demander quand est-ce qu'il va faire beau quoi. Putain, mais hey, il va faire genre 15 degrés là, ça merde. Il pleut carrément. Je monte le. Bah, regarde devant. Voilà. Viva Portugal! Mais en Portugal, pendant qu'en France il fait 40 degrés, on n'est pas très loin, je comprends pas, on n'est pas, géographiquement, on n'est pas très loin. Ils veulent pas nous donner le bon 40 temps. 40 degrés en France, on se casse et on arrive au bled. Et on se tape des 15 degrés à la Dunberg. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Eh mince, j'ai refilmé, moi. On est avec la femme, les gars. Un petit resto gourmet. Les gars, on va vous montrer ensuite ce qu'on va manger. La picanha et un rôti au poivre. C'est notre resto préféré avec ma femme et moi. On vous montre ça quand ça vient. Les gars, il y a un peu de bruit là. Mais voilà. Sauce au poivre. Et ça, c'est une demi-dose. Hein. Là-bas, c'est une demi-portion. Mais c'est extrêmement bon. Alors on a fini de manger avec Madame Lopez. Mais je voulais vous montrer pourquoi j'adore ce restaurant, regardez. C'est un restaurant qui est sur une montagne. Et on voit, il y a le château là-bas. On voit le château là-bas. Et on voit normalement le stade. Sauf que là on voit pas à cause du brouillard. Et on reviendra je pense avec ma femme là et on vous montrera avec un peu de soleil. Parce que au Portugal, c'est un resto assez classe. Pour deux personnes, on a payé 25 balles, entrée, plat, dessert. Oui, voilà, c'est ce que j'allais confirmer, c'est que c'est un resto gourmet un peu. Un resto, regardez, là on voit bien le panorama. C'est un resto un peu genre chic. Et pour un resto chic, avec entrée fait maison, genre par exemple des pâtés, des jambons secs, des trucs comme ça, bref. Plat, dessert, boisson, entrée. 25 euros pour deux, ce qui fait 12,50 euros par personne.
Viva Portugal. Ouais, une vraie journée ensoleillée, on est là les gars. Ouais, parce que bon, on rigole parce qu'il fait moche. Non, en fait, ici il suffit qu'il fasse 25 degrés les gars pour avoir une magnifique journée comme ceci. Donc là, rendez-vous à la plage, normalement, si tout se passe bien. Petit pique-nique et tout, let's go. Une fois de plus, je pars à la plage, il fait au moins 70 milliards de degrés chez moi. Et là, regardez la plage. C'est... Le truc, c'est qu'il fait chaud, hein. Mais putain, le temps, il pue la merde, quoi. Pue la merde. On est posé au bar. On est posé au bar, là, mais... Il fait froid. Ouais, il fait pas... C'est pas le temps de ouf, hein. Mais au moins, on est posé au bar. Pour boire un petit café, tranquille. Et vous, comment se passent vos vacances? Présente-nous donc cet endroit. Je sais pas, je connais pas, mais apparemment c'est des glaces trop bonnes. Donc les gars, faut faire la queue apparemment. Faire la queue pour avoir une place, pour manger la meilleure glace du bled, apparemment. On est à bord du véhicule et je peux vous dire qu'aujourd'hui il fait beau, enfin il fait beau, putain, waouh. Non, je vais arrêter de gueuler comme un animal. Non, il fait vachement beau et du coup là on va prendre un petit déj dans notre café préféré les gars. Je vais prendre ce qu'on appelle moi Torchtamicht, c'est un jambon beurre fromage qui coule dans une tartine chauffée avec un petit jus d'orange pressé, ça fait plaisir. Rien d'exceptionnel mais un truc typique, pas cher. Et qui fait du bien. Donc là je recule avec la voiture. Je vous retourne au café. Donc comme je vous disais les gars, un petit fromage qui coule avec du jambon. Un petit jus d'orange pressé à l'instant. Un deuxième jus d'orange pressé. Une tartine au beurre. Une femme. Oh wow. Des sopalins. Non mais surtout ça là, ça fond dans la bouche.